toi tu me rends parano. Leïla, Leïla, tu sens la noix de coco. Leïla, Leïla. Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous? C'est Prizik, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez particulière. Non mais Prizik, tu dis toujours ça depuis... Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo un petit peu bizarre. Je vais voir combien... Il y a beaucoup de youtubeurs qui le font. Oui oui mais tu plages à ci, tu plages à ça. Maintenant sur YouTube, je vous expliquais un truc avant de commencer. Maintenant sur YouTube les potes, tout le monde se plagie, tout le monde se fait ça, tout le monde se fait ça. Il n'y a plus d'idées maintenant. Pour l'instant il n'y a plus d'idées qui courent les... Pour l'instant voilà. Donc oui, je refais pareil qu'un autre youtubeur a refait d'un autre youtubeur. Donc c'est la globalité. Bref, aujourd'hui je vais estimer mon prix de vente en humain. Ça veut dire combien je vaux. Focus. Putain, j'en ai marre de cette cam. Je vais l'éclater cette cam. Aujourd'hui, l'heure est arrivée les potes. Aujourd'hui, je vais regarder combien je vaux. Si je vaux tel prix à tel prix. Si je suis pas cher, je me vends. Donc je me vends à des personnes, voilà. J'espère que ça vous plaira. Pour cette vidéo, un maximum de pouces bleus. Je compte vraiment sur vous, la team Prizik. Soyez là, soyez au rendez-vous. Mettez un maximum de commentaires, parce que j'aime bien vous répondre. J'aime bien que vous interagissiez avec la vidéo. J'aime bien regarder vos commentaires, j'aime bien vous répondre. Donc voilà, un max de pouces bleus, un max de commentaires. Abonne-toi si c'est pas fait. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bon visionnage. Donc on se retrouve sur humain à vendre. Combien valez-vous? Donc on va tester ça maintenant. Déjà la première question c'est: êtes-vous un homme ou une femme? Je vais vous répondre tout de suite. Je suis actuellement un homme. Je suis un homme. Donc là on va me poser des questions. Je vais devoir répondre avec sincérité, avec franchise. Donc je vais pas vous mentir. Quel est votre prénom? Alors je m'appelle actuellement Dorian. Donc D-O-R. En quelle année êtes-vous né? Je suis né en 2015, 1994. Oui, j'ai 23 ans. Je suis né en 1994, j'ai 23 ans, désolé. Alors 1944, 1956, 1995, 1994. Dans quel département êtes-vous né? Alors je suis né en Isère, donc c'est-à-dire dans le 38. Dans le 38 en Isère, voilà. Alors, origine ethnique. Donc, je suis pas africaine, je suis pas antillaise, je suis pas asiatique, je suis pas caucasienne, je suis pas indienne, je suis pas latino, je suis autre. Voilà. Votre taille. On m'a toujours dit que je faisais beaucoup de kilomètres. Donc, je fais actuellement 1m80 et des brouettes, je crois. Je fais 1m combien? Je fais 1m... Hein? Je fais 1m80 a priori, donc Elle a mesuré la taille de ma bite, donc elle m'a dit... 1m80. Votre poids, je fais actuellement... je vais me peser. Ok, je fais 70 kilos environ, ouais, c'est une bonne moyenne, 70 kilos, actuellement 70 kilos. Votre pointure, je fais du 43, êtes-vous gaucher, droitier ou ambidex? J'ai jamais testé l'ambidextrie, donc non, je suis pas, je suis droitier, bien évidemment. Et vous êtes quoi? Gaucher, droitier, ambidex? Quelle est votre corpulence? Mince, sportive, moyenne? Je suis un putain de sportif avec des gros bras comme Thibaut Inchep et BOOM! Non, je suis actuellement mince. Ouais, parce que j'ai perdu des kilos, tu sais, je mange plus, je bois plus, je dors plus, j'ai... Ouais, je suis mince, désolé. Quel est votre niveau... à quel niveau suit votre pilosité? Je suis actuellement imberbe. Je suis imberbe, je crois. Non, j'ai beaucoup de poils. Imberbe, peu velu, velu, très velu. Non, je suis velu. Je suis velu. Velu. Je suis pas très velu, je suis velu. Couleur de cheveux. Alors, on me dit souvent que je suis roux. Hein? Alors, je suis actuellement roux, les potes. Je vais dire brun, moi, je pense. Alors, je suis brun. Avez-vous des chauves dans votre famille? Oui, et moi, et mon père, et mon frère. En vrai, on est beaucoup de chauves, ouais. Enfin, c'est pas... Sinon, on devient chauve. Oui, couleur de yeux. Vous les voyez quelle couleur, vous? Non, c'est bien ce qui me semblait. C'est bien ce qui me semblait, je les vois verts. Postez-vous des lunettes lentilles? Pas du tout, je ne prends pas de lunettes, je ne prends pas de lentilles, les gars, donc...
tranquille, d'accord? Tranquille. Non. Êtes-vous tatoué? Je crois pas, non, il me semble pas. C'est pas un tatouage, ah, putain, mais pourquoi tu m'as collé un malabar hein, sur la gueule? Donc, non, je suis pas tatoué, c'est juste un truc de malabar. Quand tu manges un swing gun, t'as des petits tatouages, on l'a collé dessus. Je suis tatoué. Quelle est votre taille? Quelle taille votre pénis fait-il? Je demande à ma femme. Mon cœur? Il fait quelle taille mon pénis? Il est tout petit? C'est-à-dire il fait 26 cm? 9? 9? Je peux pas aller en dessous, hein, c'est pas possible. A priori il fait 9. Non, sans me la racler, franchement, il fait largement 24 cm. Hein? Bah ouais, faut que je la donne, je suis obligé. Faut que je donne la taille de ma queue. Je vais chercher un mètre, parce que moi ça se compte en mètres. Non, actuellement, la moyenne d'un mec, je sais pas, on va aller voir sur Google. La moyenne d'un mec, c'est entre 14 et 15, on va dire 15. 15. J'ai pas une petite bite, j'ai pas une grosse bite, je suis normal. Avez-vous une bonne dentition? Ouais, ça va. Y'a pire. Avez-vous une bonne dentition? Oui. Comment vous estimez votre sportivité? Nul? En dessous de la moyenne? Dans la moyenne? Au-dessus de la moyenne? À toute épreuve. Ah, moi je suis un guerrier, moi, dans ma tête, les gars. Je suis vraiment un guerrier mental. Moi, actuellement, quand je fais des pompes, j'y vais par 200 par 200. C'est des séries de 200 par 200, les potes. Hein. Quand je fais du développé couché, ça coûte 500 kilos, ça coûte 500 kilos. Je suis dans la moyenne. Je peux vous faire une épreuve de pompe, là. Ça c'est très bien. Comment évalueriez-vous votre charme? Nul, en dessous de la moyenne, Je suis beau ou je suis moche? Je suis horrible. A vous de me dire dans les commentaires, les gars, si je suis beau, si je suis moche, si je suis dans la moyenne. C'est à vous de me dire, ça. Là, je sais pas, je vais pas me la racler. Mais là, y a de quoi pécho de la femelle, hein? J'ai de quoi pécho de la femelle, non? Hein? J'ai de quoi pécho de la femelle, là, non? J'ai de quoi pécho de la femelle, non? Je suis dans la moyenne. Je vais pas me la racler que je suis un beau gosse, chrome bras, je sais pas qui, hein. Quel est votre QI? Sans étant dans la moyenne. Mon QI, bah franchement, je suis... Non, ça va, je suis plutôt développé en niveau QI, je suis pas nul, je suis pas... Recommence pas ça, la cage, je vais te gifler! Mon niveau QI, actuellement, ouais, je suis dans la moyenne, c'est sûr, non, je suis dehors. La dernière fois que j'ai fait un QI, j'étais à combien? Sérieux? Bah, arrête tes conneries. J'étais à 90. Non, je gueule. Non, sincèrement, les gars, même sans vous mentir, c'est la vérité. Je suis, on va dire 100, je suis en moyenne. Je vais pas dire en tout, je vais pas dire au-dessus, je vais dire 100. Consultez-vous un psy? Est-ce que je consulte un psy? Non. Avez-vous le bac? Non. Comment situez-vous votre culture générale? Dans la moyenne. Parlez-vous plusieurs langues? Do you speak English? I am French? Non, du coup non. Possédez-vous un dictionnaire chez vous? Non, là actuellement pas du tout. J'ai même pas de dictionnaire, j'ai même pas. Ça sert à rien, c'est tout là-dedans le dictionnaire. Tout là-dedans! Donc oui, je sais qui tu es du coup. Où habitez-vous? Dans une grande ville, dans une campagne, dans la montagne, en bord de mer, dans une île. J'habite sur une île, les potes. Sur une île où je pêche du poisson. Non, j'habite dans une grande ville, donc c'est Lyon. Dans quel type de logement résidez-vous? En studio, en appartement, en maison? Là, actuellement, à l'appartement, j'ai déménagé. Quelle est votre profession? Oulala, votre profession? Y a rien de tout ça. Si. Alors, on va regarder ça. Alors, administration, commerce, finance, vente, animaux, bois, métal, construction, informatique, télécommunication, mécanique, ressources, textiles, transport, art, éducation.
On va dire informatique et comme je fais là en fait. Je suis informaticien et je fais de la télécommunication. Je vous fais de la télécommunication. Je vous parle en même temps que vous fassiez. Voilà, vous comprenez le délire, comment ? Quel est votre salaire annuel ? Ah, mon salaire ? Moins de 10 000 ? Entre 10 000 et 20 000 ? Ah non, je fais moins de 10 000 quand même. Faut pas abuser. Êtes-vous marié ? Non ! Avez-vous déjà été divorcé? Non, parce que j'ai pas été marié, donc si je suis pas été marié, je peux pas me divorcer, poteau. Avez-vous un casier judiciaire? Non. Quel est votre style vestimentaire? Fashion, skater, gothique, glamour, classique, rappeur, sketch, smoking. Classique. Quelle est votre consommation d'alcool? Jamais. Est-ce que vous fumez? Je ne fume plus, à part la cigarette électronique. Donc, et vous, ce que vous faites? Non, prenez-vous de la drogue. En fait, les gars, tous les matins, je me pique avec une seringue. Je prends de l'extase. Je sniffe la coke. Et je suis bien. Tu vois, c'est pour ça que je peux après lancer une vidéo. Parce que si je prends pas ça, je peux pas faire de vidéo, poteau. Sinon, meurs. Non, je prends pas de drogue. Mangez-vous souvent des fast-food? Souvent. Comment évaluerez-vous votre diversité alimentaire? Pauvre, moyenne, variée. Je suis variée, ouais, je mange de tout. Légumes, pâtes, hamburger, pizza, tacos, hamburger, pizza, tacos. Je varie, je suis varié. Énumérez tous les problèmes de santé que vous avez dans votre famille. Atterri, non. Dépression, non. Hypertension, non. Cancer, non. Épilepsie. Non, du tout, non, c'est pas parce que j'ai fait une vidéo épileptique, je suis épileptique. Non, du tout. Hypoglycémie, non. Sclérose, non. Diabète, non. Fibrose, non. Impuissant, non. Impuissant. Je suis pas impuissant, je bande comme un cheval, gros. Comme un cheval, comme un poney, comme un étalon. Je suis pas impuissant, t'es fou. Mais dans ma famille, personne n'est impuissant. Ça va pas, non? Oh non, on est roi, comme des pas quoi, gros. Non. Quelle est votre présence sexuelle? Bisexuel, homosexuel, hétéro. Alors non, je suis pas bi, je suis pas homo, je suis hétéro. Merci, j'aime les femmes, j'aime pas les hommes, j'aime pas les deux, j'aime les femmes, je suis hétéro, d'accord? Prenez-vous du Viagra? Tu prends du Viagra ou pas? Non. Regardez-vous souvent la télévision? Franchement, occasionnellement, quand leur merde à la télé de je sais pas quoi, non merci. Savez-vous envoyer un mail? Alors là, c'est la question la plus fanatique. Est-ce que je sais envoyer un mail? Tu te fous de ma gueule, gros? Oui. Quel genre de site web visitez-vous le plus? Achat, blog, Vinis, chat, entreprise, forum, jeux, musique, itinéraire, pornographique. Titou, si tu regardes cette vidéo, je suis vraiment désolé, mais je regarde plus souvent de la pornographie que de la scientifique ou de la littéraire ou de la musique ou des jeux ou des forums ou de l'entreprise ou du chat ou du business ou du vlog ou de l'achat. À mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux là. Parce que de l'achat, je m'en bats les couilles. Du blog, je m'en bats les couilles. Du business, je m'en bats les couilles. Du chat, je m'en bats les couilles. De l'entreprise, je m'en bats les couilles. Du forum, je m'en bats les couilles. Du jeu, je m'en bats les couilles. De la musique, je m'en bats les couilles. Littéraire, je m'en bats les couilles. La pornographie, par contre. Franchement, autre YouTube. Jouez-vous à des jeux vidéo? Oh, redéfocus-moi la gueule, je t'éclate ta gueule. Oui, je joue aux jeux vidéo. Comment situez-vous votre sens de l'humour? Au-dessus de la moyenne, gros. Comment estimez-vous votre goût? Dans la moyenne. Comment évaluerez-vous votre sens artistique? C'est-à-dire les... C'est quoi? C'est quoi artistique? Ça veut dire quoi artistique? Ah, créatif? Oui, dans la moyenne. Avez-vous une personnalité provoquant une dépendance? Non, pas du tout. Je suis dépendant à rien du tout. Moi, j'ai pas compris la question. Faites-vous des dons aux œuvres de charité? Non. Croyez-vous en Dieu? Est-ce que je crois en toi, Dieu? Non. Croyez-vous qu'il existe des formes de vie? Ah bah largement. Tu crois qu'on est tout seul sur Terre, frère? Rien que toi, là, que tu regardes la vidéo, t'es un alien, frère.
T'es un putain d'alien, frère, arrête tes conneries. Oui, donc je crois en notre vie. Donc déjà, quand je vois ma femme, je crois en une autre vie. Ça, c'est sûr. Croyez-vous horoscope que vous lisez? Ouais, c'est possible. Ouais. Croyez-vous en l'être humain? Ah, ça, c'est une question. Si tout le monde croyait en l'humain, donc moi, je peux croire en l'humain. Moi, je crois en l'humain. Mais personne croit en l'humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vu que personne croit en l'humain, chacun fait de la connerie dans la vie. Donc, si personne croit en l'humain, moi, je peux pas croire en l'humain que l'humain va croire en l'humain. Tu vois le délire? Donc, indirectement, je crois en l'humain, mais indirectement, non, je ne crois plus en l'humain. Je ne crois plus, c'est la fin de la vie, là, c'est l'humain détruit tout, donc je ne crois plus en l'humain. Vendre! Je me vends, c'est parti! Let's go! Je suis à... Félicitations, vous valez 5 118 250 euros, je vends! Je vaux 5 millions! Qu'est-ce que c'est déjà? Donc les gars, sortez les chéquiers et achetez-moi. Je vaux 5 millions d'euros. 5 millions d'euros. Alors vous sortez les chéquiers et c'est parti. Let's go. Bon, poto, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un maximum de pouces bleus. Je compte vraiment sur toi pour que tu m'exploses la barre des pouces bleus. Tu veux qu'on atteigne les 10 000 abonnés? Est-ce que tu veux vraiment qu'on atteigne les 10 000 abonnés? C'est à toi de jouer. Tu m'exploses la barre des likes. Tu mets un putain de commentaire. Et si c'est pas fait, tu t'abonnes et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. N'hésite pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui seront en description. Et aussi à me rejoindre sur mon Discord qui sera en description. Et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux lives, pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, à la prochaine et peace tout le monde.